Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Patrick Villiers. Bonjour monsieur. Bonjour. Patrick Villiers, professeur émérite des universités en histoire maritime. Vous êtes 5 fois lauréat de l'Académie de Marine et vous publiez l'ouvrage que voici, un sujet particulier, traite des Noirs et navires négriers au XVIIIe siècle, journal de la licorne de Bordeaux, que l'on pourra certainement retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors pourquoi un ouvrage, Patrick Villiers, sur la traite négrière à l'heure de la multiplication des demandes de repentance à l'État français venant de tout un tas de communautés différentes? Alors, il faut appeler un chat un chat. L'Europe fait sa croissance économique et devient la première puissance du monde par la conquête du monde colonial. Donc, à partir de Christophe Colomb et même avant, parce qu'il y avait d'abord, l'Europe fait la conquête du monde, le Portugal fait sa première richesse, ensuite c'est l'Espagne, et devant ces richesses, Hollandais, Anglais, puis Français, et les Suédois, et les autres, etc., toute l'Europe se rue dans le commerce colonial. Ouais. Et le moteur du commerce colonial, c'est la traite des Noirs, parce que le moteur du commerce colonial, c'est le sucre, c'est le coton, c'est l'indigo, c'est le café, et que la main-d'œuvre blanche, qui a commencé à arriver aux Antilles, car le premier peuplement des Antilles, c'est un peuplement blanc, d'engager, donc en fait de déporter volontaires pour quitter la misère de la guerre de 30 ans pour aller vers le mirage des Antilles, bon, ils ne sont pas suffisants et leur mortalité est trop forte pour qu'on puisse créer l'économie sucrière. Pour créer l'économie sucrière, il faut une main-d'œuvre beaucoup plus abondante, et les Portugais l'avaient découvert, les Hollandais, avec leur système économique et leurs banques, vont financer ce modèle du sucre qui repose sur la main-d'œuvre esclave. Alors, vous expliquez, Patrick Villiers, c'est tout à fait précis dans votre ouvrage, de 1595 à 1866, vous recensez 27 235 expéditions de navires négriers lancées à travers l'Atlantique, dont 3343 de navires français, ce qui représente un taux de représentation de navires français de 12%. Comment expliquez-vous cette faible proportion alors ? Alors d'abord, l'historien n'existe que parce qu'il est une communauté. Quand je reprends les chiffres sur la traite des Noirs, je reprends des gens qui font des dépouillements et des travaux en France, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne depuis plus de 50 ans. Donc il y a une communauté d'historiens de toute nationalité, aussi bien d'Afrique que d'Amérique, que des Antilles, etc. Et l'histoire n'existe que par la critique, que par le commentaire du document. La science. C'est une science, et c'est une science parce que tout le monde peut aller vérifier. C'est-à-dire que si je vous donne un chiffre, si je vous donne où je l'ai trouvé, je vous donne la cote d'archives, et vous pouvez aller dans les archives anglaises, françaises, hollandaises ou africaines. Tout est documenté. Tout est documenté. La science, ça n'existe que parce que vous pouvez me critiquer, parce que moi j'ai trouvé un chiffre, et vous pouvez l'interpréter différemment. Ou vous pouvez aussi contester mon chiffre. Bon, les chiffres que je donne sont juste à peu près 5 ou 6% près. Donc, chaque année, on découvre justement un journal négrier de plus, mais ça ne change pas globalement la proportion qu'on vient de trouver. Donc, ce chiffre par rapport au total, 3000 et quelques navires français sur cette période, sur 27 000. Pourquoi la France est si peu représentée dans cette traite des Noirs ? Tout simplement parce que la France arrive tardivement dans le commerce colonial. Le commerce colonial, ce sont les Portugais et les Espagnols. Vous savez que par le traité de Tordesillas, les Espagnols et les Portugais ont divisé l'Atlantique en deux. Et donc les Espagnols n'ont pas le droit d'aller sur la côte africaine chercher les captifs. C'est le monopole des Portugais. Donc les Portugais achètent les captifs sur la côte africaine et ensuite vont les vendre sur le marché espagnol au titre du marché de Tordesillas, et ce profit faisant le succès du Portugal, les Hollandais et les Anglais vont essayer d'y pénétrer, et ça sera le 16e siècle et le début du 17e siècle. Et les Français, avec leur guerre civile, les guerres de religion, la fronde, etc., ne vont commencer à véritablement pénétrer le commerce colonial que sous Louis XIV. Donc,
au 18, fin 17e siècle, vraiment au 18e siècle. Alors pourquoi, vous l'expliquez un petit peu, mais pourquoi donc cette traite française est initiée? Alors, déjà avec Henri IV, on avait autorisé. Ensuite, c'est Richelieu qui a essayé de lancer le commerce colonial. Et une des raisons pour lesquelles la traite coloniale est autorisée par Louis XIII, c'est parce que derrière une dimension religieuse, les captifs faits par les navires français et qui seront dans les colonies françaises devront obligatoirement être évangélisés et notamment le dimanche est réservé à l'éducation religieuse des captifs qui doivent se marier, les enfants doivent être baptisés, etc. Ce qui est totalement différent des plantations protestantes par exemple. D'accord. Est-ce que le traitement, on peut faire une digression sur ce que vous nous dites à l'instant, est-ce que le traitement de ces esclaves étaient différents quand il y avait un navire marchand avec un capitaine catholique à sa tête et quand il y avait un protestant à la tête. Est-ce qu'il y avait une différence de traitement ? Oui, on le retrouve au 19e siècle avec le transport des émigrants irlandais vers les États-Unis. Hein, les capitaines protestants européens sont beaucoup plus impitoyables que les capitaines catholiques. Alors, le journal de la Licorne de Bordeaux, conservé dans le fonds marine aux archives nationales, vous a permis de mieux saisir la traite des esclaves donc dans l'Atlantique, qui a fait, rappelons-le, 12 millions de personnes déportées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulait, comment se lançait une traite négrière ? Alors, vous l'avez compris, il ne peut pas y avoir de plantation s'il n'y a pas une main-d'œuvre. Donc, l'acheteur final de la cargaison négrière, c'est le planteur. Mais ce planteur va vendre à qui ? À des négociants qui sont en Europe. Ouais. Et le négociant en Europe, on l'appelle armateur ou on l'appelle négociant, de manière, il a une multitude d'activités, mais fondamentalement, ces activités sont d'une part d'avoir des marchandises coloniales, et d'autre part, ces marchandises coloniales, il faut les obtenir. Donc, se crée une relation, et notamment, c'est l'originalité de Nantes. Nantes, n'ayant pas suffisamment de marchandises à des prix suffisamment bas pour aller sur le marché de Saint-Domingue, qui est de plus en plus pris par Bordeaux, Nantes va se spécialiser dans le commerce négrier. Et donc, on estime qu'un navire négrier qui vend ses captifs aux Antilles, ça va rapporter 4 fois le prix d'une cargaison de sucre, de café, etc. Eh bien, la proportion entre les navires négriers et coloniaux et le commerce colonial à Nantes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a 120 navires à Nantes, il y en a 25 qui sont négriers. C'est-à-dire qu'il y a véritablement le commerce négrier, c'est ce qui permet à Nantes d'être dans le commerce colonial. Et Nantes est dans le commerce colonial parce que Orléans est la capitale du sucre européen. Et donc Nantes, au lieu de respecter son sucre, Nantes vend son sucre à Orléans. Et donc les raffineurs d'Orléans ont des parts de négriers, les raffineurs d'Orléans ont des parts de plantations. Donc on est dans un cycle dans lequel le profit se situe en Europe par la transformation du produit colonial. Il faut prendre, en fait, à la limite, peu importe qu'on fasse du profit aux Antilles, le profit, il se trouve en Europe par la transformation des produits coloniaux. Alors, je voudrais qu'on arrive à ce point qui est fondamental et qui est souvent très problématique, en tout cas pointé du doigt dans les médias, c'est quand les navires marchands arrivent en Afrique et repartent avec une cargaison d'hommes, d'esclaves noirs. Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils vont dans les terres pour ramener ces populations, les kidnapper, les enlever de force ? Comment ça se passe ? Alors, il y a une confusion dans l'esprit du grand public entre la traite des Noirs par les Arabes, qui est une traite des Noirs qui se fait par terre, avec des razzias qui font plus de 1500 ou 2000 kilomètres pour aller jusqu'au centre de l'Afrique. Ça, c'est la traite des Noirs par les Arabes, et donc qui part d'Égypte, qui part de Libye, qui part de Tunisie ou d'Arabie. Et puis, de l'autre, on a la traite des Noirs par les Européens. C'est la traite qu'on appelle la traite des Noirs par l'Atlantique. Donc, le navire négrier mouille devant la côte africaine. La barre est tellement forte que les chaloupes européennes ne savent pas aller sur la côte. La barre, vous voulez dire, c'est des vagues. C'est ce phénomène de vagues qui est sur la côte. Donc le navire ne peut pas accoster. Il ne peut pas accoster. Donc il mouille à 300 ou 400 mètres en mer. Et ce sont donc déjà les tribus côtières
africaines qui vont, avec leur bateau, faire le va-et-vient entre le navire négrier et la côte. Sur cette côte, on décharge les produits que le capitaine négrier estime être susceptible d'être intéressé par le roi africain et par ses représentants. Alors, qu'est-ce qui les intéresse? Alors, la cargaison négrière comporte entre 20 et 25% d'armes. On va revenir dessus. Donc, les rois africains achetaient des armes aux blancs. C'est ça. On échange les captifs contre des armes. Alors, les armes, c'est des sabres, ce sont des coutelas, mais ce sont surtout des fusils, des pistolets, de la poudre, des balles, enfin, tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Et vous comprenez bien pourquoi. Les rois africains vont donc armer leurs troupes et vont faire des razzias à l'intérieur de l'Afrique. Donc, effectivement, les Blancs arment les Noirs qui vont faire à leur place les razzias à l'intérieur du centre de l'Afrique. Alors, une fois que le navire repart pour aller traverser l'Atlantique, quelle est la réalité du navire négrier? Alors, là, on va un tout petit peu vite parce qu'il ne faut pas oublier, ou justement, c'est une chose que les gens ignorent, un navire négrier séjourne entre 3 et 9 mois le long de la côte africaine. En fait, un navire négrier qui va charger 200, 300, 400 captifs selon la période, parce qu'on charge 200 captifs en 1715, on en charge plutôt 400 en 1789, pour obtenir un tel nombre de captifs, on en achète en moyenne 2 à 3 par jour. C'est très long. C'est très très long. Et puis c'est très compliqué parce que on vend des prisonniers de guerre, mais les rois africains se débarrassent aussi des jeunes gens qui sont un peu trop entreprenants auprès de leurs épouses. Donc il y a tout un système et c'est un troc très long qui fait que les navires négriers français, je vous l'ai dit, à la grande époque, on arrive à 50 ou 60 navires négriers par an. Par rapport à 500 à 600 navires coloniaux. Alors combien justement d'hommes on peut embarquer, d'hommes africains, est-ce qu'on peut embarquer sur ces navires? Alors le capitaine de la Licorne dit bien que au début il pensait que l'intérêt c'était de mettre le plus possible de captifs à bord du bateau, et puis il s'est rapidement rendu compte d'une part que les captifs sont de plus en plus chers, et donc si les captifs meurent, eh bien la cargaison, on a perdu toute la rentabilité. Donc, par exemple, le père de Chateaubriand, qui était le premier corsaire de la guerre de 7 ans, quand la guerre est finie, il se lance dans le commerce négrier. C'est un échec total. Pourquoi? Parce que la mortalité à bord de ces navires a été de plus de 20%. Ce que l'on montre statistiquement, c'est qu'on passe d'une mortalité de 15% en 1715 à une mortalité de 5% en 1789. Joseph Brugevin publie le journal de la Licorne de Bordeaux parce qu'il prétend avoir éliminé la mortalité à bord de ces navires négriers et donc on va pouvoir développer le commerce négrier grâce aux méthodes qu'il emploie. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans cette traite négrière, c'est que les rois africains dealent les hommes qui sont dans l'intérieur du pays contre des armes aux blancs. Contre des armes, contre des... – Du métal. – Du métal, contre des... Comment ça s'appelle? Beaucoup de tissus, parce que l'Afrique n'a pas la richesse de tissus de l'Europe. Donc en fait, c'est... Comme le dit Brodel, le malheur de l'Afrique, c'est que sa richesse sont les hommes. Et donc les rois africains échangent les hommes contre les produits européens. – Alors cette traite négrière peut nous semble totalement épouvantable à nos yeux aujourd'hui d'hommes occidentaux, mais... Comment se fait-il qu'il y a un tel décalage avec l'état d'esprit des Européens de l'époque du XVIIe, du XVIIIe siècle? Alors, il faut rappeler que, dans le cas de la France, jusqu'en 1790, la société française est une société raciste. Les nobles ont le sang bleu et le tiers-état, c'est de la valtaille. Alors, si vous lisez la vie quotidienne... Et en interne, quoi. Oui. Non, mais si vous lisez la vie quotidienne d'un domestique en France en 1780, la vie quotidienne d'un mousse, la vie quotidienne d'un matelot, la vie quotidienne d'un ouvrier dans les villes, etc., c'est une condition abominable. Et donc... Pour ces marins embarqués sur un navire négrier et transporter des Noirs, c'est misère contre misère. Et alors vous faites un distinguo qui peut paraître très polémique entre servage et esclavage. Oui, alors donc il faut distinguer. C'est un peu compliqué, mais
le droit français du sol dans les colonies n'est pas le droit américain de la case de l'oncle Tom. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, dans les plantations françaises, les esclaves restent attachés à la terre. Donc, c'est une sorte de servage. Mmh. Alors qu'au contraire, on raconte bien aux États-Unis que le propriétaire vendait la femme, les enfants séparés, etc. La plantation française est une plantation catholique, mmh, où il y a mariage et les enfants sont baptisés. Donc, oui, effectivement, on peut séparer les hommes et les femmes. La plupart du temps, on vend des familles. Oui. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des cas. Mais, mmh. Donc, ce qui fait que les relations sont très différentes sur la plantation. Mmh. Quelles étaient les routes de la traite française, de la traite négrière française? Alors, les routes de la traite française, elles évoluent au XVIIIe siècle. Donc, elles commencent par le Sénégal. Puis ensuite, elles vont se localiser sur le golfe de Guinée. Et puis, au fur et à mesure, on descend vers l'Angola. Et puis, vers 1770, on prend le risque de faire le tour. On passait Cap de Bonne-Espérance. Et on va aller dans les colonies portugaises du Mozambique. Mmh. Et là, il va y avoir une rivalité avec la traite arabe, parce que les négriers anglais, français et hollandais vont, mmh, se trouver en concurrence avec les négriers arabes, mmh, qui, eux, sont plutôt ceux qui exploitent le plus la côte est. – Alors, les protagonistes de la traite des esclaves, on l'a compris, ce sont donc des privés, les Français en tout cas, qui, on peut dire des entrepreneurs, entre guillemets, c'est un terme. Complètement, ce sont entrepreneurs, oui. En fait, ce n'était pas des personnes qui travaillaient pour l'État français. Non, non. Le navire négrier nécessite un tel capital que l'armateur n'est jamais plus propriétaire de plus de 10 à 15 % à la fois du navire et de la cargaison. Et donc, sans que ce soit tout à fait des sociétés par action, on est quand même dans un système où on a des actionnaires qu'on rémunère, à qui on fournit des comptes qui sont imprimés et que les historiens trouvent dans les archives de Nantes, par exemple. Alors, quels étaient les lieux de traite en France? Vous évoquez Les ports négriers, vous voulez dire? Oui. Alors, les ports négriers, alors, historiquement, c'est effectivement Nantes qui est le premier port négrier. Et ensuite, compte tenu de la contrainte des guerres coloniales du XVIIIe siècle, on voit Bordeaux devenir navire négrier. Et ensuite, quand, par exemple, La Rochelle perd le Canada, La Rochelle devient port négrier, avec un petit peu Saint-Malo. Bon, voilà, on a un petit peu Honfleur, un petit peu Dunkerque, et un petit peu Marseille. Mais on voit très bien qu'en fait, c'est très compliqué d'être armateur négrier. C'est très facile de faire faillite. Bon. Vous entendez le traitement médiatique de cette traite négrière au XVIIIe siècle, avec l'œil actuel des journalistes, qu'est-ce qui vous choque le plus? Est-ce qu'il y a des détails dans le récit moderne qui va à l'encontre de la science historique? Ah ben le grand problème de beaucoup de journalistes, c'est simplement qu'ils n'ont jamais regardé l'ombre d'une archive. Et donc, on préfère chercher le fantastique, faire ce qui va faire, avoir de l'audimat, plutôt que de regarder la réalité. C'est que le XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des siècles abominables. Mmh. Quand on lit un auteur du XVIIIe siècle, je ne sais pas moi, Beaumarchais, Molière, etc., on croit qu'il pourrait être notre contemporain, mais pas du tout. Leur mode de vie est totalement différent. Il faut imaginer l'hygiène, l'odeur, les machins. On est à 300 siècles de distance, on est pratiquement sur deux planètes différentes. Mmh. Comme le disait un grand historien américain, l'historien doit-il s'interdire des champs historiques? La traite des Noirs est un champ d'histoire. Mmh. Et en entrant dans ce champ, eh bien, on en voit la réalité. C'est une déportation. 12 millions de personnes, mais qui ont été déportées sur 3 siècles. À l'apogée du commerce colonial français, la traite des Noirs, c'est 20 000 Noirs qui sont pris à l'Afrique et envoyés aux Antilles. Oserais-je dire que la mortalité par le tabac en France, c'est 40 000 morts par an? Est-ce que dans le journal de la Licorne de Bordeaux, que vous avez épluché dans tous les sens pour faire ce livre, Patrick Villiers, vous trouvez des échanges entre les capitaines de navires et ces rois africains? Alors, les relations... Quelles relations entretenaient-ils? Alors, c'est des relations qui étaient tout à fait codées.
Hein. D'ailleurs, par exemple, quand on va au Bénin... Il y avait un protocole. Il y avait un protocole, et notamment, par exemple, le roi du Bénin avait l'interdiction de s'approcher de plus de 15 km de la mer. Donc, en fait, c'était son représentant qui venait faire les négociations. Et puis, exceptionnellement, les capitaines négriers pouvaient rentrer à l'intérieur de l'Afrique et aller à 15 ou 20 km à l'intérieur pour participer aux cérémonies des rois noirs. Et justement, puisque vous me posez la question, au XVIIIe siècle... Les Blancs ne sont pas rentrés dans l'Afrique. Mais vous dites que ça n'intervient qu'en 1815. C'est ça. Avant 1815, aucun Blanc ne rentre dans les terres africaines. Sauf le cas très particulier du Portugal qui, en Angola, a commencé une colonisation. Autrement, la colonisation, c'est le 19e siècle. Autrement, les lieux de traite des Noirs, qu'on appelle des forts ou qu'on appelle des comptoirs, il faut imaginer que c'est une petite fortification où on a une dizaine de canons, où on a 60 à 70 Blancs qui sont là, entourés par 4000 Noirs. Donc, ils sont tolérés, non seulement ils sont tolérés, mais chaque année, on renouvelle la présence, le traité de présence. Aux archives coloniales d'Aix-en-Provence, vous avez chaque année les traités de renouvellement pour qu'on soit à côté de Dakar, pour qu'on soit sur tel ou tel comptoir. Et il y a le nombre de barres de fer, le nombre de tabac, le nombre qu'on donne pour le droit d'être présent sur cette terre africaine. Alors, la colonisation, c'est le 19e siècle. Ce sera ma dernière question. Quand la traite française prend-elle fin ? Alors, la traite française prend fin une première fois pendant la Révolution française, avec l'abolition de la traite par Robespierre et le Parlement français. 1794. Elle est rétablie, comme on le sait, par Bonaparte, qui la supprime en 1815 parce qu'il veut se réconcilier avec l'Angleterre, et la restauration relance la traite des Noirs, puisqu'elle existait du temps de Louis XVI. Et d'autre part, la traite des Noirs, on pense que les ports français qui ont été ruinés par la guerre de la Révolution et de l'Empire vont refaire du profit par la traite des Noirs. Et en réalité, c'est un échec. Et grosso modo, la traite des Noirs s'arrête vers 1825-1830. Il ne reste plus à peu près que quelques exemples de négriers. Et puis ensuite, la France s'allie avec l'Angleterre pour mettre fin aux négriers clandestins, et on va donc avoir des escadres anglaises et des escadres françaises qui vont patrouiller dans l'Atlantique pour interdire les négriers et pour intercepter les négriers clandestins brésiliens avec capitaux américains. – Mais pourquoi l'État français et les Anglais se disent « on a toujours des colonies, mais on va supprimer l'esclavage ». Pourquoi cessent-ils économiquement ? C'était complètement à l'encontre de leurs intérêts, je veux dire, purement économiques. Non. Les économistes donc Adam Smith et les libéraux. Autres, oui, Ricardo, etc., démontrent que il vaut mieux que l'homme s'exploite lui-même plutôt qu'on soit esclave. Bon. On va en prendre un cas très simple. Sur une plantation africaine, bon, on ne travaille pas la nuit parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que si on utilise des torches au milieu des cannes à sucre, on va mettre le feu à la canne à sucre. Donc, on ne travaille que de jour. C'est-à-dire, grosso modo, comme on est entre les tropiques et l'équateur, 12 heures par jour. Vous vous rappelez le texte de 1848 qui dit que les enfants de moins de 8 ans, dans un atelier de moins de 12 personnes, ne devront pas travailler plus de 16 heures par jour. Voilà la condition de la vie ouvrière en France et en Angleterre au XIXe siècle. Aucun pays n'a été plus abominable vis-à-vis de la classe ouvrière que la France et l'Angleterre au XIXe siècle. C'est pas par hasard si Karl Marx est apparu. Et l'Ancien Régime, comment ça c'était? Alors que dans l'Ancien Régime, les enfants n'avaient pas leur place dans... Oui. Dans les champs. Si, dans le monde paysan, les enfants sont dans les champs à 5, 6, 7 ans, gardent les poules, etc. Oui. Mais ils sont dans un contexte de vie paysanne. Là, quand vous descendez dans les mines et que vous devez conduire les chevaux aveugles qui traitent le charbon, etc., et que vous avez 8 ou 9 ans, et vous faites ça entre 12 et 14 heures par jour... C'est autrement plus difficile. Germinal, c'est pas de la science-fiction, Germinal. Et on est en 1880. Patrick Villiers, votre ouvrage, j'en rappelle, le titre « Traite des Noirs et navires négriers au XVIIIe siècle », un journal de la Licorne de Bordeaux, collection archéologie navale française, un ouvrage que l'on peut retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci à vous.